Je suis à côté de Marseille, Châteauneuf-les-Martigues, chez Patrick, Millennium Auto. Alors Millennium Auto, aujourd'hui, il vend quasiment plus que du camping-car. Là, on va te montrer ce petit Globus GT de 2018 qui est en moins de 6 mètres. La dernière fois, je t'ai présenté une trottinette tout-terrain qui était quand même assez grosse et assez lourde. Là, je vais te présenter une trottinette urbaine. C'est la Navi N65. La particularité de cette trottinette, c'est qu'elle a des jantes de 10 pouces. Jantes de 10 pouces avec des gros pneus. Donc, elle est beaucoup plus confortable qu'une trottinette avec des petits pneus plats. Là, tu peux le voir, le diamètre des roues est quand même assez important. Frein à disque à l'arrière et système EABS à l'avant qui récupère l'énergie et qui freine en même temps. Donc, au moment où tu actionnes le frein, eh bien, il y a quelque chose qui se passe là-devant, qui freine également, qui ne peut pas bloquer et qui récupère de l'énergie. Ça, c'est sur le compteur, en fait. Hein. Au moment où la récupération d'énergie s'effectue, ben, tu as ton compteur, le compteur d'énergie qui bouge. C'est pas mal foutu, parce que tu vois, regarde là. Alors, elle pèse 23,5 kg quand même. Hein. 23,5 kg, mais en contrepartie, tu as des batteries donc, qui te permettent 65 km d'autonomie. C'est une trottinette qui roule à 25, hein. Elle est dans la légalité. Et il y a un système BMS, hein, un système de protection pour éviter justement que la batterie surchauffe ou qu'il y ait des problèmes. Il y a un BMS. C'est une trottinette qui est étanche, IPX4, hein, la norme. Alors elle peut rouler sous la flotte, on va dire, sans problème. Il y a un petit système de verrouillage qui est assez pratique. Tu as une petite tirette et ensuite tu soulèves le guidon. Tu vois, là déjà, il est verrouillé. Voilà, là ici, on le pousse comme ça. Et on le pousse vers en l'air et hop, c'est verrouillé. Il y a un petit crochet ici, très facile à déverrouiller, tu vois. Pour le déverrouiller, ben on le baisse vers en bas, on le tourne et il se verrouille tout seul. Et ensuite, c'est super costaud, il n'y a pas de jeu en fait. Alors tu vois, c'est fabriqué avec des gros tubes, donc elle est vraiment très solide, elle est très rigide, elle tient bien par terre, et en même temps, elle est confortable parce que tu as des gros pneus. Donc tu vois, c'est très facile à déployer, c'est très facile à replier, et là, au niveau du guidon, ça vient se rentrer ici. Alors le guidon, c'est pareil. Pour que ce soit replié et que ça prenne pas de place, tu vois le guidon, voilà comment il est dans le sens de la longueur, ensuite dans le sens de la potence, ensuite il suffit d'appuyer ici, de débloquer, et ensuite on tourne le guidon comme ça, et on rebloque. Et là c'est complètement bloqué et c'est rigide, ça bouge plus du tout. C'est plutôt bien foutu. Alors tu as le frein, hein, tu as le frein ici, et l'accélérateur. C'est cette grosse poignée, c'est ce poussoir. C'est jamais un accélérateur comme une mobylette. Hein. C'est toujours un poussoir sur une trottinette. Alors, elle est capable de monter des cotes de 25%. J'ai testé, c'est assez impressionnant. Tu peux y mettre 120 kg dessus. Bien sûr, là, tu as le petit phare qui est ici. Tu as également le feu stop qui est ici derrière. Les catadiopes sur le côté. En fait, elle est complètement street légale. Hein. Et tu vois, on a un large repose-pied, enfin c'est pour mettre tes pieds, hein, qui est assez large, où tu peux bien poser tes pieds. Pour l'allumer, on appuie quelques secondes sur le contact, et là tu vois, tu as un super compteur, où tu as le voltage de la batterie, tu as 4 modes différents, la contenance de la batterie, tu vois, ce qui reste, et quand tu freines, regarde, il y a un petit compteur de freinage, et quand tu accélères, c'est pareil, tu vois. Pour pouvoir avancer avec cette trottinette, pour pouvoir actionner le moteur, il faut patiner d'abord, ça c'est une sécurité, pour pas que ça t'entraîne au moment où tu appuies. Et à partir du moment où elle a atteint 1 ou 2 km/h, je crois, peut-être 3-4, je ne sais plus, en ayant patiné une fois, et bien là, tu appuies et bouh, elle démarre. Alors, tu peux contrôler le paramétrage de cette trottinette avec une application mobile
sur le téléphone. Et là, logiquement, on va avoir, on peut la verrouiller, on va avoir le nombre de kilomètres, enfin, on a un petit peu tout, hein, on peut gérer un petit peu tout. Donc, le compteur, on l'a dessus, donc c'est pas très utile. Mais bon, c'est surtout pour la paramétrer, en fait. Tu peux changer les kilomètres heure, tu peux mettre un cruise control, l'énergie recover, donc tu peux désactiver, si tu veux désactiver le récupérateur d'énergie, les défauts, donc tu peux gérer les défauts ici, et modifier le password, parce que tu peux la bloquer, la trottinette. Quand tu la gares, ça veut dire que tu la bloques avec un code et personne ne peut partir avec. Tu as une application que tu peux, qui sert à mon avis pas grand chose. Je pense que tu t'en sers pas souvent, mais bon, c'est pour paramétrer en fait la trottinette et activer ou désactiver les différentes fonctions. On va maintenant faire un petit tour avec et on va voir ce que ça vaut. Les feux, c'est pareil. Ici, quand on fait 7, voilà, tu vois, tu as les phares qui sont allumés. Et quand tu vas freiner, bon là ça clignote, mais quand tu vas freiner, tu vois, ça clignote plus vite. Ça, c'est quand tu allumes les feux. En fait, les feux à l'arrière, ils clignotent. Mais si tu n'allumes pas les feux, tu as une position marche également. Pour t'éviter de pousser la trottinette, tu mets sur position marche et elle va s'entraîner à très faible vitesse pour t'aider à la pousser. On va se faire un petit tour et puis on va voir ce que ça vaut. Alors, tout bête, hein, voilà, il y a une petite béquille latérale. Tu vois, tu l'enlèves. Et ensuite, bah, c'est facile. Hein, il suffit de patiner un peu et ça accélère. Voilà, on peut accélérer comme ça, tu vois. Alors ça freine super bien, hein. Tu vois, on est déjà assez vite, hein. On est déjà à 25, on est déjà à fond, tu vois, très très vite, très très vite, tu es à fond. C'est la légalité, hein, 25 km/h, là ça commence à grimper. Bon, tu vois, on perd pas de vitesse quasiment, alors on n'est pas sur 25%, hein, attention, mais ça grimpe quand même. En comparaison à celle que j'ai essayé la dernière fois, c'est beaucoup plus doux, c'est moins violent. Là Tony, il se sentirait en sécurité. Tony, il avait un petit peu peur de l'autre parce qu'elle a la gouache. Celle-ci, c'est beaucoup plus onctueux, ça démarre... alors, ça accélère assez vite, hein, t'arrives vite à 25, mais c'est pas... tu vois, ça accélère progressivement. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Alors, tu vois, regarde les pneus un peu que t'as là-dessus. Hein, donc, ça, tu peux aussi prendre du chemin, bien sûr. C'est plutôt un peu plus urbain, hein, il n'y a pas de suspension dessus. Donc, c'est vrai qu'elle sera plus à l'aise dans les villes, tout en conservant quand même un bon confort. Avec ces pneus, ça absorbe beaucoup les chocs, les nids de poules, etc. C'est d'ailleurs un peu ce qui est revendiqué sur la documentation de la trottinette. Et à l'arrière, tu vois, t'as un disque vraiment... Tu t'arrêtes vraiment net, hein, ça s'arrête très très bien. En plus du récupérateur, le EABS, ils appellent ça, qui permet de pouvoir récupérer de l'énergie. L'EABS, c'est le moteur. Le moteur, c'est ça. Hein. C'est une traction, hein, c'est pas une propulsion. C'est pour ça qu'à ouais, l'arrière, il n'y a pas de moteur. Donc le moteur est à l'avant, en fait. C'est pour ça que c'est assez sécurisant. Hein, que ça patine pas, que c'est assez sécurisant. On se sent en sécurité. Si on compare les deux, la première, hein, l'Ele Glide que je t'avais présenté, donc, qui est tout terrain, sur laquelle il y a deux moteurs. Donc on a 1000 watts de moteur au total, frein à disque avant, frein à disque arrière. La suspension, il y a 6 amortisseurs, le guidon réglable en hauteur. Au niveau du guidon, là par contre, on n'a pas la même facilité à replier comme celle-ci. Celle-ci, en fait, elle prendra beaucoup moins de place. Il est clair que celle-ci, elle est plus faite pour aller faire un peu de tout terrain, en fait. Hein. Là, tu peux vraiment prendre les chemins. Tu as des roues qui sont un peu plus petites et des pneus qui sont beaucoup plus boudinés. Je pense que les roues, il me semble que c'était du 8 pouces. Là, on va avoir du 10 pouces. On va avoir également des pneus larges, des gros pneus. Donc ça t'apporte un confort, par contre on n'a pas de suspension. Au niveau de la façon de la replier, bah, c'est super pratique. Parce que là, en effet, même le guidon vient dans le prolongement, c'est vraiment chouette. On a un disque à l'arrière et à l'avant, on a le système de moteur qui fait également récupérateur d'énergie. Ils appellent ça un IABS. On a une autonomie de 65 km, avec moins de puissance bien sûr. Hein. Là, elle t'autorise 25 km/h. C'est vrai que celle-ci, en version, selon la manière dont tu programmes la commande, tu peux rouler jusqu'à 55. C'est beaucoup plus violent, hein. Elle est beaucoup plus nerveuse. Là, c'est plutôt une trottinette street légale. On a le feu stop, on a le phare comme je t'ai montré à l'avant. On a un petit écran digital qui est super. Tu peux la connecter à ton téléphone et tu peux même la verrouiller, la bloquer, coder pour t'éviter de te faire voler. Le port de charge, il est au-dessus, c'est beaucoup plus pratique. T'as pas le port de charge en dessous. Et les tarifs sont quand même radicalement différents. On a des codes, en fait. Hein. Donc, quand on clique
Tu peux l'acheter par Amazon ou Jigbuying, je sais plus quoi. Je pense que c'est les mêmes prix. Je vais te dire ça tout de suite. Donc, elle vaut, cette trottinette vaut 649,99 €. Et on a un coupon de réduction valable jusqu'au 9 avril de 50 € sur le véhicule. Donc, ça l'a fait payer environ 600 €. On est sur du haut de gamme, là. Ce lien-là. Et on a un deuxième lien sur lequel elle coûte 599,99 €. C'est expédié de Pologne. En fait, pour l'une comme pour l'autre, avec les codes promo, tu les payes 600 € au lieu de 650. Voilà. Ce qui est correct, hein, celle-ci. Hein. Pour l'un comme pour l'autre, c'est pas pour l'une comme pour l'autre. Hein. Celle-ci, elle est beaucoup plus chère. Je ne sais même plus si le code promo est toujours valable. Je crois qu'elle faisait 1100 € celle-ci. 650 € et avec le code promo, 600 €. Je crois même que directement, quand tu te mets sur Amazon ou Jigbuy, tu as directement la promotion, en fait, avec les liens que je t'ai mis en description. Hein. Tu as les liens ici, puis tu as les liens en description. Alors, il va partir vite, hein. Je le montre, si ça se trouve au moment où je sors la vidéo, il est déjà vendu. Ce que je voulais te dire, c'est que lui, il a perpétuellement environ 25 camping-cars à la vente. Dans tous les prix, alors c'est principalement quand même des petits camping-cars pas chers, enfin pas chers, hein. Pas chers, c'est les prix d'aujourd'hui. Hein. Ben voilà, des véhicules qui tournent entre 22, 23 000 et une trentaine de mille, mais il a aussi, comme ce Detlef par exemple, que tu vois derrière, il arrive régulièrement d'en avoir, ça part quand même relativement vite, mais bon, si tu es intéressé, je vais faire le tour, et ce qu'il faudra que tu fasses, ben, tu contacteras directement Patrick, ses coordonnées seront dans la description. Hein. Tu peux voir ici le nom de sa boutique, et c'est à Châteauneuf-lès-Martigues, donc c'est dans le 13, c'est pas très loin de Marseille, donc si tu es dans le coin, ben, tu peux lui rendre visite, il peut même te trouver ce que tu cherches, hein, sur demande. Voilà. Alors comme je suis en contact depuis un certain temps, il est abonné à ma chaîne, et ben voilà, je me suis dit, tiens, je passe à côté, je vais lui rendre visite. Je te le présenterai tout à l'heure. Donc, j'étais en train de faire un tour chez Patrick dans les camping-cars, hein, chez Auto Millennium. Et là, je tombe là-dessus. Globus GT, longueur 5,99 €, 840 kg de charge utile. Je trouve ça énorme. Il est en 2,3 litres, 150 chevaux et il a 16 500 km seulement. Il est de 2018, de février 2018. Bon, je me suis dit ça... Je vais pas faire une visite en profondeur comme je le fais d'habitude. Globalement, ça ressemble beaucoup au tech au niveau de la plantation. Tu vas le voir à l'intérieur. De toute façon, on va rentrer à l'intérieur. Hein. C'est un professionnel, hein, donc forcément, tu vas sortir de là. T'auras une garantie, en fait. Hein, donc, on va pas tout scruter le véhicule comme je fais d'habitude. C'est surtout pour te dire, il y en a un ici si tu cherches. D'ailleurs, tu auras son contact direct. Hein, c'est juste pour rendre service. Donc, il y a une antenne parabolique. La suspension pneumatique, on le verra à l'intérieur. Le Trouma, c'est un Combi 6 et il y a une radio avec le GPS dedans, hein, qui fait caméra de recul et GPS. Les jantes alu, bien sûr, la cassette, la douchette extérieure, tu vois, elle est rétractable ici, c'est super pratique. Ici, c'est du rangement. Ça, ici, c'est du rangement, hein, c'est une malle où tu peux ranger des affaires. Alors, de partout, tu as les blocages de portes. Et alors là, c'est là où ça change un peu, si tu veux. C'est que là, c'est pas totalement pareil que ce qu'on a déjà vu. Tu as la place, tu vois. On va voir de l'autre côté. Hein. Et ici, c'est le coffre à gaz, en fait. Alors que sur le Tech, tu avais le coffre à gaz qui était à l'intérieur. Et c'était un peu galère pour enlever les bouteilles. Hein. La deuxième entrée de soute, tu as beaucoup plus de place. Voilà, la manivelle pour le store, parce qu'il est équipé du store également. Donc Detlef, c'est de la bonne camelote. Hein. En plus, il n'a pas roulé ce véhicule. Il est tombé du sable et ben, le véhicule, forcément, il est un petit peu sale, hein, forcément. Poste de conduite, hein, et même au niveau de la dinette, etc., c'est exactement la même chose que le Tech. Alors le Tech était 2014, celui-là c'est un 2018. On a une couleur de tissu ben, qui est super sympa. On a une fenêtre au même endroit, une petite table qui est faite également de la même façon. Sur celui-ci, et ça, c'est un gros avantage par rapport au Tech, c'est que ici, ça se transforme en couchage. Tu peux rabaisser la table. Alors, ça va être un petit couchage. Et tu vois, c'est un 4 places carte grise. Tu as les deux ceintures ici face route. Hein. Au niveau du poste de conduite, c'est le poste de conduite qu'on connaît. Je ne vais pas te le décrire. Une petite imposte ici pour poser des affaires. Le téléviseur. Et à chaque fois, bah voilà, là, c'est pareil. Hein. Là, tu as les... Alors là, ça, par contre, je le trouve un peu plus qualitatif que le Tech. Hein. On peut voir le... C'est le panneau solaire, ça. Lanterneau,
Sur ce côté, donc, tableau de commande avec les compteurs qui sont magnifiques chez Detlef, la commande du Trouma et les commandes de gaz. Tu peux commander l'allumage du gaz ici. Sur le tableau de bord, il y a un truc que je t'ai pas montré, les manomètres pour la suspension air. Une petite cuisine avec... bah, tout ce qu'il faut, hein. Plaque 3 feux, évier, un petit panier. Alors ce que j'apprécie bien moi en finition, c'est cette petite plaque qui évite de salir la paroi. Placard avec porte freinée, les tiroirs, grand tiroir avec les commandes de gaz qui sont en dessous. Pareil, encore un grand tiroir, un tiroir ici sur la longueur. Très pratique ces tiroirs. En termes de finition, je pense que c'est quand même au-dessus du Tech. Au niveau de la cellule, je pense que Tech est un peu devant. Parce que bon, ils font des garanties 12 ans étanchéité, c'est bien foutu. Par contre, au niveau du mobilier, je pense que Detlef est devant. T'as la cuisine ici, t'as la dinette de ce côté. Ici, t'as une salle de bain. Là, c'est fait un peu différemment. On n'a pas vraiment la douche séparée, on est sur le même espace. L'engin est petit, hein. Sur le Tech, on avait la paroi, on avait une paroi de douche. Ici, l'évier, le lavabo ne coulisse pas. On voit le passage de roue, les toilettes, des petits rangements où tu peux mettre tout un tas de choses, hein. Des petits casiers, la lumière. Bon, alors là, le courant n'est pas allumé, mais il y a un truc super pratique pour pas mouiller. Regarde, ça, c'est mieux qu'une cabine. Regarde ça. Voilà, regarde. Et là, du coup, ça te fait vraiment une cabine de douche. Tes toilettes sont protégées. Ton lavabo ne se salit pas. Ça, c'est vraiment super bien foutu. Ça se bloque, ça se verrouille avec une attache qui est ici. Au fond, enfin, le lit 140. On va avoir un frigo ici, frigo à compression, un grand frigo à compression qui fait toute la hauteur. Alors frigo à compression, aujourd'hui, c'est ce qui consomme le moins. Alors il faut reconnaître qu'il y a eu un moment où j'étais pas trop pour moi le frigo à compression. Aujourd'hui, quand je mesure la consommation, si tu te sers du courant, hein, je mesure la consommation de mon frigo que j'ai dans le véhicule, s'il tourne au courant, c'est très gourmand. Par rapport, on a fait la comparaison avec le frigo chez mes parents, hein, qui ils ont carrément un frigo américain. Je pense qu'il y a énormément de pertes. Alors, au gaz, le frigo, quand il fonctionne au gaz, il tourne un mois et demi. Par contre, quand il fonctionne au courant, bah, ça bouffe, quoi. Hein, le lit, tu vois, voilà, hein, c'est plus large. Hein. Il est un peu plus large que sur le Tech qu'on avait vu. Ici, tu as les prises de courant 220. Ici, un bac pour poser des affaires. Et à chaque fois, placard. Des deux côtés, tu as les bacs. Hein. Et ces lumières-là, eh bien, c'est un peu le même système que sur le Tech. Ça coulisse sur un rail, tu vois. Donc, tu peux accorder ton éclairage comme tu le souhaites. On va avoir également, on voit la grille du chauffage, hein, les interrupteurs, la prise 220. Et ici, un grand rangement dans lequel tu vas avoir, bah, c'est une penderie, hein, plus précisément. Et ici, tu vas avoir la sécurité pour la chaudière. La chaudière, en fait, elle doit être là derrière. C'est légèrement, tout en ayant le même type d'implantation, c'est légèrement différent du Tech. Mais c'est grosso modo la même chose, hein, ça ressemble pas mal. Hein. J'étais là, donc je me suis dit, ce serait dommage que toi tu en cherches un et que ben, peut-être t'en trouves pas. Ici, il y en a un. Je sais pas pour combien de temps, par contre, parce que ça, ces véhicules-là, ça va quand même relativement vite. Il est à 52 750, donc c'est pas une paille non plus. Hein. Il a que 16 000 km par contre, ça c'est un avantage. Il est, alors je t'ai pas montré, mais il y a la moustiquaire. Ici pareil, hein, t'as toutes les prises de courant, les interrupteurs pour allumer les lumières, les prises de courant 220. Ça 69 000 km, tu vois, et bah, c'est un profilé, hein. Il est à 29 700. 6 places carte grise, 6 ceintures. Chausson, tu sais ce que j'en pense, mais bon, il est là. Hein. Ici, t'as un Iveco. Alors, celui-là, il est vendu, tu vois, par exemple, ça, c'est exemple de truc qu'il peut avoir. C'est motorisé par un 3 litres, 3 litres HPI, 170 chevaux. C'est super costaud ça. Et celui-là est aménagé déjà, il y a une douche. Ça c'est le sien. Trop tard, c'est vendu, c'est le sien. Là ici, tu as un Autostar. Alors c'était les Autostar qui ressemblaient un petit peu au Rapido à l'époque, tu sais. Et là, on a un truc qui vaut 24 900. Alors peut-être il l'a vendu celui-là. Hein. Normalement, il est vendu. Donc, mais bon, pour le moment, il est là. Il est de 98, 96 000 km. 6 m 81, tu vois.
T'as un petit fleurette, hein, en profilé. C'est pour te montrer qu'il y a pas mal de choses. Et ensuite, t'as des fourgons vitaux. Ça, c'est à aménager éventuellement. Il y en a encore, il y a ceci, mais t'en as encore dans un autre parc, qu'on va pas y aller aujourd'hui parce que je vais pas avoir le temps. Regarde ça, t'as encore un Autostar là-bas au fond. T'as ici un Detlef en intégral, t'as un Rapido intégral. Là, t'as un transporteur. Je te montre hein, rapidement ce qu'il y a. T'as un transporteur là, qui est aménagé aussi. Ça, c'est un toit relevable, 4 couchages, 33 653 km. Il y a le chauffage, chauffe-eau, douchette. Il n'y a pas de kilomètre, il est de 2007. Ben ça, tu vois, c'est à vendre aussi. Bon, après, tu te renseigneras, tu verras. Là, c'est du fourgon que tu peux aménager éventuellement. Je pense pas qu'il soit aménagé. Il est aménagé ? Ils sont aménagés, ceux-là. Ceux-là, ils sont aménagés. Donc là, tu as un trafic aménagé. Trafic aménagé, VASP caravane, la clim, le chauffage, le V-Basto, gasoil, panneaux solaires. Enfin voilà, je vais pas tout te décrire, hein, t'as vu qu'il y en a partout. À toi de jouer, hein, tu vas voir Patrick, Patrick est là, tu vois. Voilà. Coucou. Tu vas voir Patrick, tu le téléphones et tu dis voilà Patrick, je vais t'acheter un camping-car. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Là ici, c'est un Rapido. Là, t'as encore un fourgon aménagé, tu vois, il y a le store. Là, il y a encore. Voilà, il y a des vieux trucs, hein. Il y a aussi des trucs à tout petit prix en fait. Hein. Il me disait ça part de 8000, ça peut partir de 8000 et puis après ça peut aller jusqu'à 70-80 selon le véhicule. Voilà, à toi de jouer. Voilà donc pour Patrick Auto Millennium. Très sympa, hein. Très sympa. Alors il fait pas de mécanique hein, par contre. Hein. Lui, il vend, il fait que de la vente. Par contre, il fait ce qu'il faut sur les véhicules avant de les donner. Et puis, si tu viens de la part de Nomad Into the Wild, de Pascal de Nomad Into the Wild, tu auras un traitement spécial, je pense. Il va être encore plus pointilleux pour toi que pour les autres. Je viens d'arriver chez mes parents. Enfin, je suis arrivé depuis un petit moment. On a bu le café, on a mangé le gâteau. Qu'est-ce que je peux dire sur le test de ce produit qui m'a été envoyé gracieusement par Stéphane, un abonné. Donc on met 40 ml pour 80 litres, pour un plein en fait. Moi j'ai des pleins de 70 litres. J'y croyais pas trop en fait. Je dois t'avouer que je me dis comment une petite quantité dans le carburant peut faire quelque chose. Eh bien écoute, j'économise 1 litre au 100. Dans certaines conditions, même un peu plus. Mais bon, on va rester sur 1 litre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti donc ce matin de Charolles. J'ai parcouru 550 km jusqu'à Aix-en-Provence, avant qu'il y ait du vent. J'étais à 6,3 litres au 100, en roulant en vitesse stabilisée à 110 km/h. Hein. La Drôme, si tu as l'habitude de prendre la 6 ou la 7, c'est la 7, je sais plus, la 6 ou la 7, dans la Drôme, bah, tu as des côtes, tu as des descentes, tu as des côtes quand même assez importantes. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc 6,3 litres jusqu'à, sur à peu près 400 km, 6,3 litres, j'ai mis mon compteur à zéro. Et en arrivant à Aix-en-Provence, il y avait du vent. Et j'ai pris le vent pleine face. Là, je suis passé de 6,3 litres à 6,7 litres. Sans toucher le en laissant comme c'était. Hein. Donc je suppose que la consommation a dû gonfler, a dû monter sur l'autoroute du soleil en fait, hein, où il y avait du vent en pleine face jusqu'à Draguignan. Hein. Conclusion, au départ, avant de faire des économies, avant d'essayer de faire des économies de carburant, j'étais à 8,7 litres en roulant la plupart du temps à 120-130, hein, sans faire d'économie. À partir du moment où j'ai monté le kit à chaud, ça n'a pas duré longtemps, sur 2000 km, j'ai économisé 2 litres au 100. Donc je suis descendu au mieux, hein, parce que ce n'était pas régulier, je suis descendu à 6,7 litres, pour 450 euros d'investissement quand même. Hein. D'ailleurs, c'est une belle escroquerie, et je pense que si j'étais... Je pourrais faire pression en disant j'ai une chaîne YouTube, je veux qu'on me rembourse. Mais je pense qu'il vaut mieux que je leur fasse une mauvaise publicité. Pour vous, c'est beaucoup plus... C'est nettement mieux que de se faire rembourser et puis de devoir fermer sa gueule. Je pense que je vais leur pourrir la vie parce que je trouve que c'est pas correct. Donc je vais mettre des commentaires sur Amazon et puis je vais en parler régulièrement. Je pense même faire une vidéo dédiée à ça parce que franchement, je trouve que c'est honteux. 6,7 litres avec le kit à chaud que j'ai dû supprimer, donc, parce qu'à la fin, ça marchait plus du tout, ça fuyait, c'était dégueulasse. Je suis passé à l'éco-conduite. Donc, à l'éco-conduite, au mieux, je suis arrivé à 7,4 litres dans la descente. Hein, dans la descente Belgique, tournée, donc, Luxembourg et Charolles, j'ai fait une moyenne de 7,4 litres. C'est que du plat, hein, y a pas de... Voilà, il y a très peu de vallons. C'était vraiment du linéaire à 110 jusqu'à Charolles. Stéphane m'envoie ce produit. Je l'ajoute sur le carburant qui me restait. Il me restait environ, je pense, un peu moins de 35 litres, aux environs de 35 litres. À ma grande surprise, donc j'ai mis mon compteur à zéro avant de partir de Charolles.
et je tourne à 6 litres 3. Sans avoir le vent de face, bien sûr, hein, parce qu'après, là, le dernier trajet avec le vent de face, là, je suis remonté à 6 litres. Je recommande, et je vais l'essayer d'ailleurs sur le camping-car. Prochainement, je pense faire un road trip en camping-car. Je pense sortir le camping-car et faire un trajet, une petite tournée un petit peu, de peut-être 2 semaines, je vais voir. C'est en prévision. Alors, c'est sur du gasoil, bien sûr, mais je sais qu'il existe également le même produit pour de l'essence. C'est Mécaron et c'est le C99. Merci encore Stéphane. Je suis très très étonné et j'ai été très très surpris de ce que ça m'a apporté en économie de carburant pour une petite somme. Hein. J'ai vu que sur 250 millilitres, là on a 1 litre, hein, donc il m'a fait quand même un beau cadeau. 250 millilitres, ça vaut 22 euros il me semble de mémoire. Alors peut-être t'as moyen de trouver moins cher, là moi il m'a carrément offert une bouteille d'un litre. Je voulais ajouter également que l'essai que je vais faire avec le camping-car, j'aurai également une évolution. J'allais recommander, j'ai cassé mes lunettes. Je fais que des conneries en ce moment. J'ai commandé chez Restjeep un boîtier pour le camping-car. Je vais passer de 160 chevaux à 205 chevaux ou 208 chevaux avec plus de 100 Nm de couple en plus. C'est censé te diminuer la consommation jusqu'à 15%. Donc c'est pareil. Je vais essayer ça parce que, en fait, j'ai eu encore quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a fait une reprogrammation sur un véhicule neuf, très récent, et je lui disais, c'est moi, sur de l'occasion, et sur des véhicules qui sont sortis de garantie, ou pourquoi pas, sur un véhicule qui est encore en garantie constructeur, sache que si tu as une casse moteur, tu passes chez le concessionnaire, il va te refuser la garantie. Sauf si vraiment tu te connais bien, il va fermer les yeux. Mais la plupart du temps, quand il y a vraiment une grosse casse, il y a tout qui part à l'expertise. Et il n'a même pas moyen, quelquefois, le garage qui te gère le truc, il a quelquefois même pas moyen de te faire le cadeau de dire, bon, bah écoute, on ne l'a pas vu. Quoi. Ils sont en promotion jusqu'au 7. Alors là, au moment où elle va sortir la vidéo, bah, ils ne seront plus en promotion. En ce moment, ils font 100 balles de promotion. C'est ce qui m'a un peu incité à le commander parce que je l'avais pas, je l'ai pas, moi, j'en ai pas sur. J'ai déjà essayé sur de nombreuses voitures, mais pas sur le camping-car. Et donc on le montrera ensemble ce boîtier et on fera le test déjà de ce que ça peut apporter en couple, en puissance, mais également en consommation. Dans le premier trajet que je vais faire, il y aura que le boîtier et dans la suite du trajet, quand je referai le plein, je mettrai en plus le C99, le Mécaron, pour voir un petit peu ce que ça donne en économie, pour voir à combien j'arrive à descendre. Je te rappelle que moi je suis à 13,5 avec le mien. Samedi matin, ça caille grave. Ça a bien bien rafraîchi. Là, j'avais rendez-vous pour nettoyer le moteur à l'hydrogène. J'ai vendu la Volvo normalement. La voiture est vendue. Donc, je vais pouvoir passer à une essence. Regardez un peu le temps qu'il fait. Alors, je viens juste d'enlever mes pneus neige. Avant d'aller en Belgique, tu vois, comme s'il faisait vraiment doux, j'ai viré mes pneus neige. Et là, aujourd'hui, ben, alors sur la route, il ne va pas y en avoir, hein, je pense. Regarde un peu la bagnole comme elle est. Et on va me nettoyer l'intérieur du moteur, les conduits d'air, etc. Putain, c'est gelé la porte. Elle s'ouvre pas. Oh. Il suffit juste de... En fait, je suis complètement déboussolé, mon pauvre. Je sais plus où j'en suis, là. Je fais, mais que des conneries. Je suis complètement à l'envers. En fait, il faut juste ouvrir les verrous, c'est pour ça. Je pensais qu'elle était collée. Il fait pas assez froid, il fait zéro, là. Alors, normalement, elle s'en va fin avril. Mais bon, je suis un peu nostalgique. Enfin, nostalgique. Ouais, ça va me manquer. Parce que franchement, c'est une bonne bagnole. C'est vraiment une super bagnole. Et la nécessité fait que bah, il faut s'adapter, surtout avec les kilomètres que je fais. Heureusement que je fais pas tout ça en camping-car. Parce que là, le camping-car, il aurait 300 000 km. Là, je passe à une voiture plus petite. Et j'ai déjà des idées, mais tu découvriras ça au moment où je l'aurai. Plus petite et surtout une voiture essence avec laquelle je vais pouvoir rouler à l'éthanol. Alors combien de temps on va rouler à l'éthanol aujourd'hui et combien de temps ils vont laisser l'éthanol détaxé, le 85, hein, c'est pas de l'éthanol à 100%. Peut-être que je fais un investissement qui va pas durer très longtemps. C'est tout gelé. Alors décalaminage à l'hydrogène, bah c'est là, hein. Je suis à Parel Monial. Ça vaut 149 euros. Il y a plusieurs formules, il y a une formule où tu changes l'huile. Bon, moi, la vidange, elle a été faite il y a peu de temps, Michel l'a fait il y a peu de temps. Donc, il y a plusieurs packs. Il m'expliquait que vraiment, ça peut transfigurer le moteur, parce que tous les moteurs s'encrassent, et il dit que de plus en plus, il va falloir les faire, en fait. Je te dirai hein, ce que ça donne, parce que je vais faire un peu de kilomètres derrière, hein, la semaine prochaine. Je te dirai ce que ça a changé sur mon moteur, si ça m'a fait baisser la consommation. 149 euros, c'est pas la belle-mère à avaler. Hein, ni la mer à boire,
je sors du décrassage moteur à l'hydrogène, donc c'est tout con, hein. Il met un tuyau, il y a un appareil, je t'ai pas montré ça à l'intérieur, il faudrait demander l'autorisation de filmer et tout, mais ça a duré à peu près 2 heures, parce qu'après il y a un essai routier en fait, hein. Il fait le truc, il laisse tourner le moteur, il y a l'hydrogène qui rentre dans le moteur tourne avec l'hydrogène, ça décrase tout, et ensuite ils vont faire un essai routier pour voir si tout va bien. Il me dit qu'il y a des résultats qui sont quand même assez intéressants, puisque souvent les voitures ou les véhicules passent pas au contrôle technique, et quand les gens viennent faire un nettoyage à l'hydrogène, et ensuite le véhicule passe au contrôle technique largement, avec une pollution qui est nettement en baisse. Alors là, je viens de la démarrer. C'est beaucoup plus rond, j'ai l'impression. Maintenant, tu vas me dire, c'est peut-être qu'une impression. Ici, à Paray-le-Monial, donc c'est chez AD, Centre Auto du Champ-Bossu, eh bien, tu payes 149 euros. Je voulais revenir là-dessus. Vous avez été nombreux quand même à me demander les liens, parce que vous ne trouviez pas les liens, vous ne trouviez pas ce que c'était comme marque. Black Few. BV8800, c'est une nouveauté, donc il est assez compliqué à trouver. Les liens sont ici, là, voilà, et dans la description. Donc si à la limite vous ne trouvez pas la description, ben vous avez le lien à recopier en fait, hein, parce que là vous ne pourrez pas cliquer pour avoir accès directement. Il est en promotion jusqu'à la fin du mois d'avril. Après, c'est fini, après il va reprendre son prix normal, normalement. Il marche comme un V1. Ça en fait, j'ai payé ça... Moi, j'ai pas payé ça à ce prix-là, mais ça vaut 1500 balles, on va dire. Voilà, au départ, quand c'est sorti, le Note 20 Ultra, il valait 1500 balles. Ici, ça vaut 300 balles, en fait. Hein. Un petit peu moins de 300 euros avec le code promo qui est en description. La description, comment ça se passe? Je vais te montrer parce que il est super rapide en fait. Il a le même type de processeur. Il a un rafraîchissement d'image à 90 Hz. Il a 128 Go de mémoire, donc pour mettre tes photos, etc. Parle beaucoup, là aujourd'hui il y a deux petits trucs, j'étais un peu en retard, je dois t'avouer, sur ce que j'avais à te présenter, donc t'as la trottinette, t'as le téléphone, et j'espère que ça va pas te perturber, je sais qu'il y en a certains que ça perturbe, moi en fait, voilà, quand c'est des choses intéressantes, ben, je les propose, on m'offre le produit, la trottinette on me l'offre, et moi en échange, eh ben, j'en parle, si elle me convient pas, je la renvoie, hein, c'est tout, je la renvoie et j'en parle pas. Alors ce qui est bien, tu vois, c'est que là je mets mon doigt, et hop, il reconnaît mon empreinte digitale par le bouton directement. Je vais sur YouTube et je vais aller tout de suite sur ma chaîne. Je vais te montrer où est la description. Alors sur un téléphone, parce que sur une télé, malheureusement, tu n'y arriveras pas. Donc c'était sur cette vidéo-là. Oui, tais-toi. Voilà, tu vois ici, là tu as l'écran et ici tu as une flèche là. Tu appuies sur la flèche et là tu as la description. Et souvent... Je mets les liens tout au début de ce que je présente. Alors là, tu auras deux liens. Tu auras le lien de la trottinette qui va être au-dessus et tu auras le lien du téléphone, tu vois. Et il y a le code promo au-dessous, tu as le lien. Tu n'as qu'à cliquer dessus, il est en bleu. Tu cliques dessus et tu arrives directement à la page. Voilà, Black Few, c'est directement le site du fabricant. Et tu n'as plus qu'à commander ici, voilà. Tu vois, 309,99€, avec le code promo, tu vas obtenir 10€ de plus. Il est déjà en promotion, hein. T'as quand même 10€ de plus, ça te le fait payer 299,99€, autant dire 300€. Hein. C'est super simple en fait, la description, souvent je vois que y en a certains qui galèrent, tu vois, elle est là, tu vois, elle est là, la petite flèche qui est ici, j'espère que tu le vois bien. Voilà, la petite flèche qui est là, tu vois, tu cliques dessus et hop, t'arrives à la description, t'as plus qu'à cliquer sur le lien bleu. Magnifique téléphone qui est vraiment, tu peux, hein, tu risques pas de le casser parce que il peut tomber, tu vois, tu peux le jeter, voilà, paf, il est tombé par terre. Tu peux le faire tomber dans l'eau, dans la cuvette des toilettes, tu peux faire ce que tu veux, il subit pas les chocs. C'est ça le gros avantage quand tu fais tomber souvent ton téléphone et surtout, tu n'as pas besoin d'y ajouter une protection. C'est pour ça que c'est intéressant. Il est tout saturé avec de l'aluminium, du caoutchouc sur les angles, il est très solide. Très solide. Et alors il y en a qui me disaient, et la lentille, ben la lentille elle est pas saillante, elle rentre à l'intérieur, ce qui fait que tu peux pas la casser non plus là, il faudrait vraiment un truc saillant qui est dedans, et encore je sais même pas si ça casserait, parce qu'ils ont fait des choses qui sont, même là l'écran, c'est un écran un peu souple, tu vois, c'est comme si c'était un truc un peu en, on dirait un peu du plastique presque, hein. C'est pas du verre comme sur celui-là. On termine cette petite vidéo, j'ai pas pu tout mettre parce que sinon la vidéo aurait été trop longue,
Je voulais te montrer, et ça je te le montrerai certainement mardi ou mercredi, je pense que je sortirai la vidéo. Je voulais te montrer donc le véhicule qu'on a validé pour Annie, c'est un Le Voyageur. Alors il ne sera pas à vendre, hein, puisque... mais c'est juste pour te montrer ce qu'on peut trouver et à quel prix, même chez des concessionnaires, quelquefois on peut faire des affaires par rapport au prix, des prix affichés. Hein. Tu verras que c'est... je te montrerai ce que j'ai filmé pour qu'on puisse valider ce véhicule avec Annie, donc derrière son écran. Je te montrerai de quelle manière j'ai résolu les problèmes du camping-car Ecovip, qui sera bientôt livré à Pierre, l'ancien camping-car de Patricia, qui est ici dehors maintenant puisqu'il est terminé. J'ai résolu les petits problèmes, il y avait la rotule entre autres, mais il y avait d'autres problèmes. J'ai filmé, j'ai pas pu le mettre non plus, c'était trop long. Je te montrerai ça également mercredi. Et ce week-end, donc là je termine le montage, et ce dimanche, je vais travailler là-dessus. Il faut que je travaille, j'ai besoin de travailler. Donc je vais le foutre au milieu et on va voir ensemble les petites réparations. Je vais réparer les stores. Alors ce sera peut-être pas tout dans la même vidéo parce que je pense que j'en ai pour plusieurs jours, mais dimanche c'est certainement une partie de lundi. Une fois que je serai débarrassé de ces deux véhicules, et bien là je pourrai m'attaquer pleinement à mon fourgon et puis le terminer. J'ai tout ce qu'il faut en fait maintenant. Alors je voulais également revenir sur les véhicules d'occasion en ce moment, et même les véhicules neufs d'ailleurs. C'est pas spécialement facile à vendre, hein. Il faut te dire qu'aujourd'hui tout ce qui se vend, c'est ce qui est bien placé. Tu vois, par exemple, le Cartago que j'ai présenté la semaine dernière, le Cartago Liner, ben oui, il est parti. La quasi-totalité de ce que j'ai présenté, hormis le Himmer dont tu trouveras la vidéo qui est ici, là, on n'a pas trouvé preneur. Je crois que c'est Véronique, de mémoire, c'était Véronique, a besoin de vendre ce véhicule parce qu'elle est en train de faire équiper un fourgon. Elle a donné un aménageur, un fourgon à aménager, et elle a absolument besoin de l'argent de ce véhicule pour pouvoir continuer son aménagement. En conclusion donc de cette affaire, c'est que du coup, on a décidé de descendre le prix parce que là, il y a urgence. Et plutôt que de te le vendre à 55 000 euros, on va descendre le prix à 49 800 euros. Ce qui reste là vraiment une très bonne affaire. Pour résumer ce que je voulais te faire passer, bon déjà celui-là, tu vois, on va le descendre et forcément, il va se vendre. Quand le véhicule est proposé au bon prix, tu le vends. Si tu le proposes trop haut, là, les prix sont en train de se casser la gueule. Hein, il ne faut pas se mentir. Il y a un problème avec le gasoil. Alors bon, là, c'est clair que le gouvernement a fait un petit effort. Je pense que ce week-end, les concessions vont bien travailler, mais c'est provisoire. Le problème, c'est provisoire et ça va remonter. Et au moment où ça va remonter, les prix vont encore dégringoler parce que malheureusement, les gens, et ce que je comprends, hein, le coût du gasoil fait que, bah, oui, ça fait réfléchir des gens qui sont peut-être pas trop motivés, et du coup, ils sont plus motivés du tout. Ce qui explique que on voit, même sur les annonces, hein, quand tu regardes les annonces Le Bon Coin, alors il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose, mais prix en baisse. Tous les véhicules que je filme, je discute avec les propriétaires de véhicules et je leur explique. Je leur explique l'importance de vendre le véhicule au bon prix et de ne pas le vendre et de ne pas essayer d'en tirer trop cher, parce qu'une fois que le train est passé, il est passé. Hein. Tu vends au bon prix, tu vends pas au bon prix, tu vends pas. Voilà. J'en profite également pour te dire que si tu as un véhicule à vendre, eh bien tu sais, hein, voilà, l'adresse est ici, tu m'envoies un petit descriptif de ce que tu vends, si tu as 2-3 photos, tu me les ajoutes, tu me mets surtout tes coordonnées téléphoniques, et je procède par ordre, j'en ai beaucoup, il y en a beaucoup que je ne peux pas prendre malheureusement, parce que ou ils sont mal placés au niveau du prix, il y a beaucoup trop d'écart par rapport au prix du marché, ou alors, je ne suis pas magicien non plus, hein. C'est vrai que je vends quasiment tout ce que je présente, hein. Mais quelquefois, si vraiment le véhicule n'est pas placé et pas dans le marché, ben là, moi, je ne peux pas faire de miracle. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus me permettre de me déplacer. Ça coûte avec le gasoil, c'est sur mes frais. Hein. Je ne compte pas de frais, moi, pour aller filmer un véhicule. De la rémunération que j'ai sur la vidéo en publicité, elle ne couvre pas les frais de gasoil. Hein. Je suis obligé de discuter d'abord et de voir s'il y a matière à faire quelque chose ou pas. Si, moi, mon but, c'est que tu vendes ton véhicule. Mais si tu n'es pas dans les clous, ben, je suis obligé de te le dire, malheureusement. Et à ce moment-là, je ne peux pas m'en occuper. Hein. Quelquefois, il y a des gens qui mettent des annonces sur Le Bon Coin, ils n'arrivent pas à vendre leur véhicule. Moi, je ne vais pas faire de miracle. Ça veut dire qu'au moment où on va discuter ensemble, moi, je vais te dire les choses comme elles sont. Je vais te dire, tu n'as pas vendu ton véhicule pour ça, ça et ça. Moi, je peux m'en occuper, mais ce sera dans ces conditions. Que ce soit clair, hein, on vend bien, mais quand c'est au bon prix, au prix du marché, et pour que personne ne soit lésé. Je te souhaite un bon week-end, une bonne fin de dimanche. Moi, mon dimanche, il est là, tu vois. C'est là-dessus que je vais me... comment dire
me déchaîner. Mardi matin, je prends la route pour la Belgique. Si j'ai des visites à faire sur le trajet, je les ferai, mais je pense que ça va être, il ne va pas y avoir grand-chose. J'ai quelque chose de super intéressant là-bas. Je vais rencontrer deux personnes et on va discuter de choses qui vont un petit peu vous éclairer sur l'avenir du camping-car. J'en dis pas plus, je vais pas spoiler les choses, mais ça va être super intéressant. Ce sera certainement, je pense que ce sera certainement le week-end prochain ou en fin de semaine. Il y a urgence quand même à sortir cette vidéo. Voilà la famille, bah écoute, je te souhaite une bonne fin de dimanche et puis je te dis certainement un mercredi. Amuse-toi bien, ne t'inquiète pas trop pour tout ce qui se passe en ce moment. Hein. Reste cool et puis à tout bientôt. Ciao, ciao.